Bonjour Alexis, comment ça va? Comment ça va le live? Bien le bonjour à tous. Oui, j'ai décidé de prendre le relais de cette chaîne parce qu'il y avait trop d'aléas sur cette chaîne. Donc du coup, j'ai décidé de prendre la relève de cette chaîne. Ça va, putain la voix. Alors déjà, on ne dit pas putain, on respecte la langue française. Et voilà. Bon, par contre, je vois pas de quoi vous parlez. J'ai pas du tout la voix d'Emmanuel Macron. Enfin, je sais pas, question de logique, quoi. Question de logique. Avec moi, sur Red Dead Redemption 2, vous allez voir que je prends du plaisir. Comment allez-vous, monsieur Lexi? J'ai vu que vous venez de changer votre pseudo. Vous êtes connecté avec avec un autre compte Twitch, hein, c'est ça qu'on dit, hein. Bon, ouais, est-ce que cette voix est crédible? Bon, en même temps, j'ai envie de dire oui, parce que voilà quoi. Très bien, très bien. Alors, du coup, on va aller sur LGW. Donc, Alpha aujourd'hui a décidé de stream LGW. Donc, du coup, on va faire ça. Je vous laisse la parole à Monsieur Alpha, du coup. Bon. Monsieur Alpha, c'est à moi. Merci bien. Ça va ou quoi, les gars? Ah, j'étais obligé. J'étais obligé. J'avais envie de lancer un stream avec cette voix. J'avais envie de m'amuser un peu. Voilà. Franchement, tu te fais chier. Quoi? Non, mais en vrai, je suis devenu matrixé des IA et tout, tu vois. C'est trop. Ah merde, attendez. Parce que du coup, faut que je configure pour. Faut que je configure. Alors, attendez. Redem. Ok. Merde, attendez, il y a la musique du jeu. Hop, et on va switch. Bam.
Ah merci Aigle pour le follow. C'est chiant, j'ai la musique du menu et la musique du... La musique du menu et la musique du chargement, c'est chiant. Et merci aussi Laxi pour la folie. Oh, les gars, mes platines, il y a plein de poussière. Wow. Nettoie les platines. Ça, en même temps, je vois le rendu sur le live. Parce que oui, en fait, les gars, depuis que j'ai mon PC, j'ai jamais stream Red Dead. Donc je sais pas si ça va tenir. Eh les gars, je stresse de ouf. En fait, pour vous expliquer, donc là, mon perso sur Red Dead, je fais un RP médecin, si on peut dire ça. Et en vrai de vrai, j'ai pas l'habitude. J'ai pas l'habitude de ce genre d'RP, donc c'est hyper chaud. Donc là déjà, on va voir ce que je peux faire. On va le voir un petit PTP, c'est que je peux le faire. J'avais des coups. Ah oui, c'est vrai, j'avais déconnecté ici. C'est vrai, j'avais déconnecté ici. Déjà, en vrai, ça a l'air d'être fluide. Là. Mets le manteau. Pardon. Mais wesh, mais remets le manteau, enfin je sais pas, frère. Tu es comme ça? Voilà. Ah non, attends, moi je vais pas mettre cette démarche, il y en a un qui va gueuler après. Bon, est-ce qu'il y a du monde au cabinet? Ça va, en vrai ça a l'air de tenir hein. J'ai l'impression qu'il y a quelques micro-lags en vrai. Non? Ou c'est moi? C'est pas mal. Y'a du monde ou pas? Je sais pas si moi j'ai les clés par contre. Je crois qu'ils m'ont pas donné les clés. Ah, ils m'ont pas donné les clés en fait. Je crois qu'il était écrit. J'ai sonnette. Je crois qu'elle m'a pas donné les clés en vrai. On fait quoi? On sonne en vrai hein? Ah, on va sonner? On va sonner, hein. C'est le factuel! C'est le factuel! Non, je rigole. Attendez, on va se mettre un peu de musique au fond. Attendez, on va se mettre un peu de musique. Alors... Non, mais c'est pas ça que je veux.
Ça pue quand c'est quand j'essaie de musique. Ah, attendez, hop. On va éviter. Alors, on va se mettre ça. Ça. Ça, elle est pas trop forte, là, les gars, la musique? Je sais pas si médecin qui va arriver. On va aller voir au cabinet de Valentine. De Strawberry plutôt. On n'entend pas. Comment ça vous entendez pas? Vous entendez pas la musique? On n'entend pas la musique? Si. Ah oui, ok. J'ai oublié de mettre mes trucs. On va aller à Strawberry, comme ça j'allais vendre mes trucs. Excusez-moi, vous me parliez? Ah non, du tout. Non, non. Non, non, du tout. Oui, mais parce que y a la dame qui vous parle là. Mais apparemment vous l'entendez pas. Quelle dame? Bah, la dame qui est juste à côté de vous. Ah, et bah. J'ai mal aux yeux. Ah oui, tu penses que c'est le visir du chapeau qui ouais, doit gêner. Ouais, je pense aussi. Elle dit qu'elle est médecin et que elle vient parce que vous avez sonné. Ouais, eh bah si vous pouvez lui dire que je vais m'allonger un petit coup et j'arrive aussitôt. Il va s'allonger un petit coup et il arrive. J'ai un bug. Qu'est-ce que ça marche? Merci. Rien, bonne journée à vous. C'est ok pour elle. J'ai eu un bug, j'ai pas compris. Oh putain, je le connais, c'est un mec à Speedy Tunisia. Au nom de la loi, je vous arrête. Non, c'est pas ça qu'il dit. Oh, je rigole, bien sûr. Qui c'est qui m'envoie un message privé? C'est qui ça? Ah, vas-y, on m'envoie encore des messages privés, Nikomok. Nick the B, comme dirait l'autre. Allez, hop. Alors attendez, faut que je fasse un truc. Activer la musique de fond, hop. Ça, je te désactive, tac. Couper la musique le temps que je me connecte. Oh, j'ai failli lâcher une dinguerie. Au lieu de dire Terence, j'ai failli dire oui, bonjour, je suis Lewis. Par contre, la musique, je sais pas si c'est eux qui l'ont faite, mais je l'ai en tête la musique.
D'ailleurs les gars, si vous voulez rejoindre le Discord, vous faites point d'exclamation Discord. Et vous tomberez sur mon Discord. J'ai reçu une notif là ou c'est moi? Attendez, j'ai pas vu ce que j'ai eu comme notif. Vous avez attrapé un rhume. Ah merde! J'ai attrapé un rhume! Le mec il est médecin, il chope un rhume! Tout va bien! Allez, c'est parti. Hop. Ah, dis-moi que je la vois cette fois. Oui, j'ai vraiment chopé le rhume, hein. Alors. Attendez, on va rééquiper les équipements. Wesh. Bah. Ah d'accord. Alors elle est où? Rebonjour. Et rebonjour. Non, vous me voyez toujours pas? Si, c'est bon. Ah merde, hein, j'allais dire c'est pas possible. Si, c'est bon. Dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé du coup? Je suis le nouveau médecin, j'ai été recruté par Mo. J'ai plus le nom. Mais vous êtes recruté par quelqu'un, vous avez plus le nom. Non, mais j'ai le nom, enfin je sais qu'on la surnomme Momo. Ok, elle... vous avez vu Madame Davis quoi. Voilà. Ok. D'accord. Et vous appelez comment monsieur? Terence Johnson. Monsieur Johnson, très bien. Du coup, je suis la docteur Cody et... Ok, d'accord. Du coup, vous soignez pour avoir un de vos collègues avec vous, c'est ça? C'est ça. Donc, parce que, en fait, je suis en période de... En période d'observation. C'est ça. Ouais. Et en fait, là, ça tombe à pic parce qu'en plus, j'ai chopé un rhume. Ah, mais là, vous en avez toujours un ou ça non. Va? Vous avez l'impression que vous allez dégager? Non, j'ai toujours un rhume, là. Maintenant. Allez, c'est pour vous. C'est vrai que c'est mieux. Monsieur Zarok, vous voulez aller aider à la zone noire peut-être? Eh ben, je me tâte sur la zone noire, sur Grid Plains, peu importe. Prenez plutôt la zone... Ah purée, j'ai pas noté Grid Plains. C'est où? Grid Plains, je l'ai, c'est juste au-dessus de Blackwater. Ok. C'est que ça fait un peu loin, sachant que je vais aller me coucher ensuite. Ah bon, sinon, je vais voir sur Grid Plains et après je fonce sur la route. Vous voulez bien sur la route, hein. Mais du coup, je vais vous laisser Monsieur Johnson. Et bah, pas je présente le Dr Zarok, il est à Vanham, du coup. Et puis, vous allez le suivre, comme ça, vous allez voir pas mal d'interventions, parce que moi, j'ai pas tardé à partir. Ça marche. Petite question, est-ce que c'est normal que j'ai pas encore les clés, du fait que je suis encore en observation? Les clés de quoi? Du cabinet. Ah oui, c'est normal, bien sûr. Ok. Vous ne les aurez qu'avec votre trousse. Ok, d'accord. C'est ce que ça je voulais. Arrivera dans un ou deux jours. Ça marche, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Pas de soucis, vous inquiétez pas, non. Pas de soucis. Mais parfait. Mais on va y aller. Messieurs. Prenez soin de vous, bon courage. Merci. Allez, venez. Hop. Vas-y, montez directement. Un peu d'observation, les gars, avec la musique de Red Dead. Allez, on est parti. Donc vous êtes apprenti, c'est ça? Ou en c'est observation ça. Encore? En observation. Ok, ça marche. Bah du coup, c'est quoi? C'est la première journée ou ça a déjà eu d'autres journées? Non, première journée. Normalement, j'aurais dû commencer hier, mais j'ai eu un imprévu. Ça marche. Comme ça, vous allez voir un petit peu tout. C'est ça. Je suis un ami d'enfance à Clyde en plus, donc. Ah, vous êtes monsieur. Hop! Attendez, je vois juste un corbeau. Monsieur Terry Johnson, un ami d'enfance à. Monsieur Clyde Reed. Hop! Excusez-moi. D'accord, ok. C'est parce que je suis en train de gérer tout ce qui est corbeau, regarder un peu tout ça, donc. Ouais, y a pas de soucis. Si vous passez médecin, on verra vite ce que c'est que tous ces corbeaux.
J'imagine bien. Alors, du coup, là, en fait, j'ai le premier corbeau, c'est un blessé au-dessus de Blackwater, qu'on va essayer d'aller chercher. Et ensuite, on ira sûrement au Mexique, parce qu'il y a ce qu'on appelle une zone noire. Donc, la zone noire, c'est une zone où il y a plus de 5 blessés. Donc, où il y a besoin de plusieurs médecins pour faire tous les soins. D'accord. Hop là. Vous savez ce que j'aime bien, les gars? Du coup, rappelez-moi votre nom, c'est monsieur... Johnson. Terrence. Monsieur Johnson, ça marche. Ok, pas de soucis. Monsieur Terrence Johnson. C'est ça. Vous savez ce que je kiffe, les gars, sur Red Dead? C'est faire ça. Hop, on va essayer de voir ça au mieux. Je vais faire ça. Mettre la vue cinématique. Et en plus, avec Reshade, ça rend tellement bien. Alors, je m'arrête à chaque fois pour envoyer les corbeaux, vous verrez. Ouais, oui, y a pas de soucis. Hop, ce qui est normal. Hop là. Du coup, voilà, ce de corbeaux, il y aura. Qui vous indique un peu où peuvent se trouver les personnes. En fait, non. C'est une secrétaire qui passe les messages très rapidement et qui nous permet de rapidement être informé de ce qui peut se passer sur tous les comtés. Ouais, qu'on voit le entre guillemets le pigeon voyageur quoi. Oui, c'est ça. De toute façon, vous verrez souvent en si soi, vous voyez c'est logique que pigeon voyageur. Surtout un médecin, vous voyez un médecin qui ouvre sa carte, c'est qu'il a sûrement reçu un corbeau. Y'a pas de souci. Après, je me doute bien. Vous voyez un regroupement de personnes, il y a plusieurs personnes pour une carte, c'est des médecins. Ouais, je le fais, ça va quoi. Salut Kylian, ça va quoi. N'hésitez pas à follow les gars si c'est pas encore fait. Hop, du coup, ça fait longtemps que vous êtes en ville. Je suis arrivé la semaine dernière, mais on va dire que la semaine. Je dors assez souvent le soir. Il y a juste le week-end où. Le soir, je suis là. D'accord, ça marche. Ça va, dis-moi, je peux te proposer. Attends. Ça va, dis-moi, je peux te proposer un projet en DM Discord. Ça dépend quoi comme projet. Si c'est pour du développement, je ne prends pas de projet de développement. Hop, en avant. Bon, du coup, je me suis pas présenté. Enfin, moi, je suis le docteur Gérald Zarok. Du coup, je suis le cabinet de Van Horn. D'accord. De Van Horn, et ça fait un peu plus de 3 semaines que je suis docteur. D'accord. Ah oui, c'est tout récent. Ah oui, c'est récent. Oui. 3 semaines que vous êtes docteur et vous êtes déjà chef de cabinet. C'est pas magnifique tout ça. Bon, officieusement, et ben, officiellement, je suis encore adjoint, mais ça devrait pas tarder, oui. C'est déjà ça. Oui, c'est sûr. Il y en a qui commencent en bas de l'échelle, vous êtes déjà. Bah, disons que ça a été presque une belle opportunité, quoi. Je suis arrivé au bon endroit au bon moment. C'est ça. Hop là, c'est juste là-bas. Bonsoir. Hop là. Oui, bonjour. Bonsoir. Alors, bonsoir. Juste... J'ai pas les mots. Juste du... à éloigner mon cheval parce que. Ouais. Hop là. Ah bah c'est bon. Parce qu'il est hyper farouche, il a la mauvaise manie de frapper tout le monde avec ses sabots. Ouais, bah j'ai ça. Pas les modes de... les modes du notepad. Alors que je regarde ça. Du coup, je l'ai poussé pendant une arrestation et sa tête a tapé sur un caillou. D'accord, je vois que ça saigne un petit peu au niveau de l'arrière de la tête. On c'est va regarder ça. Allez, monsieur, on se réveille. Ok, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Vous avez une douleur là au niveau de la tête? Pardon? Là, vous avez une douleur actuelle au niveau de la tête, parce que je vois que vous saignez là. Oui, à l'arrière. Oui, ok. Est-ce qu'il y a des un mal de tête en même temps, des envies de nausées, vomissements? Putain, je voulais sortir le. Non, ça va. Non, ça va. Ok, bon, attendez, je vais regarder à l'arrière. Est-ce que vous pouvez enlever votre chapeau, que je puisse regarder votre tête, s'il vous plaît? Il n'y a pas un truc écrit sur le Discord de LG? Non, mais vous excusez-moi, êtes monsieur. D'Annesberg. Oui, enfin, maintenant de Van Horn, mais oui, c'est ça, oui. Oui. Bah c'est moi, c'est Caleb.
Ah oui, bah oui, Caleb, alors qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en train de mettre de la nouvelle terre sur les tombes. Ok, voilà. On va attendre après sur les tombes, c'est ça? Oui, et mettre des petites fleurs dessus. Ça marche, ouais, attends, je vais regarder le cuir chevelu, pas bouger surtout. Alors, je regarde un petit peu au niveau du cuir, effectivement. Je suis pas un bandit. Ah, vous savez, moi, je ne dirai rien. Allez, on regarde ça, bouge pas trop la tête. Ouais. Ok, il y a un petit segment ici, c'est un tout petit peu ouvert, mais c'est assez superficiel, c'est un tout petit peu ouvert au niveau de la tête. Hop. Alors, je vais juste regarder qu'il n'y ait pas des morceaux de pierre dedans. Est-ce que tu veux éventuellement une anesthésie? Ou ça va aller? Non, ça va aller, t'inquiète. Je trouve pas. Ça va aller. Ok, bon, serre les dents, je vais regarder ça. Je regarde dedans. Donc, il n'y a pas de morceaux de pierre, c'est bon. Allez, je vais pouvoir désinfecter ça tranquillement à l'alcool. Ok, ça a piqué un peu. Allez, je désinfecte un peu. Vas-y. Voilà. Un petit peu. Ok. Je vais pouvoir te faire les points de suture. Regardez, regardez les gars, le Cree-Shade. Oh là 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 là. Oh là là. Déjà que le jeu, il est beau de base, maintenant, avec Cree-Shade. Dinguerie. Bah voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, ok, les points, ça a l'air bon. Je vais remettre un petit coup d'alcool pour être sûr que ça ne se réinfecte pas derrière. Et je vais te mettre un petit bandage là, sur tout le crâne. Ok. Et t'as des nouvelles de Stacy? Je ne l'ai pas encore revue, Stacy. Là, je vais essayer de la voir tout à l'heure, voir comment elle se sent. Parce que c'est vrai qu'hier, elle n'était pas bien du tout. Oui, bah oui. Et puis là, ce soir, elle doit s'occuper d'un docteur qui vient en formation chez moi ce soir. Donc, je vais voir comment elle se sent. Parce que moi, je suis en réunion, chef des cabinets tout à l'heure. Là. Parce que hier, elle s'est je sais pas ce que c'est la touche. Bah oui, c'est pour ça que je me suis occupé d'elle. Donc, alors, ça a l'air tout. Ah, mais faut peut-être le. Ok, oui, ça a l'air plutôt bon. Hop, il y a peur d'avoir d'autres saignements. Ok, pas de vertige. Niveau de la vue, ça va bien. Pas de petites étoiles dans les yeux. Non, ça va. Non, ça va. Bon bah super. Écoute, ça va simplement coûter 3$ pour les soins et je vais remplir l'archive. Je sais pas ce que c'est que les mots. Je te donne ça. Merci. Hop, Caleb. Morgan. Caleb hop. Morgan. C'est ça. Merde, c'est ça que je voulais faire. Je voulais pas sortir ma carte. C'était les billets. Hop. Qui sait, peut-être qu'un jour les cartes permettront de payer. Ah, peut-être. Enfin. Ah, d'accord, ok. J'ai trouvé. Voilà. Et bah, super, merci. Et bah, du coup, hop, ça, c'est bon. Je finis juste mon archive et après, je regarde pour desserrer le bandage éventuellement. Okay. D'accord. Je finis ça. Hop, le serpent. Vas-y, oh, attends, hop, juste aller vers le monsieur là-bas. Je vous l'explique un peu. Vous avez marché le plus gentil des bandits. Ah, pourquoi vous là, par contre, ça vient de tirer. Alors, ok, on va faire gaffe parce que. On prend pas une balle, quoi. Bon, ça a l'air assez loin, mais bon. Ouais, mais ça tirait déjà tout à l'heure, je pense qu'il y a des loups ou quelque chose qui se trame. Ah, mais là, je pense pas que ce soit des loups parce qu'il y avait deux tirs bien distinctifs. Bah. Ouais, un truc qui se met pas. Des Amérindiens passés. Tout à l'heure, je sais pas si. Ah bah, eux, ça tombe bien, ils chassent pas au fusil. Oui, ils chassent à l'arc. Voilà. Oh, je crois que ça dépend lesquels, quand même. Alors, je sais pas. Bon, c'est bon pour vous, les docs. Ça va être bon, j'ai juste un souci de boîte, je crois, un souci de boîte. Ah, ouais. Ah, c'est les fameuses boîtes à meux. Alors, ça devrait être bon, j'entends plus de mouette. Ok. Oui, bah écoutez, ça va être bon. Voilà pour le bandage. Merci. C'est moi qui remercie, puis faites attention à vous. Oui. Faut les tuer ces mouettes, hein. Ça fait trop de bruit. Ah, je les supporte plus les mouettes. Ah, moi j'ai mieux que ça, je pense, mettre un petit coup de tranquillisant.
Ah oui, aussi. Pour au moins une bonne partie de la soirée. Oui. Après, faut déjà les attraper pour. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Ah, ça, alors... ça veut dire que je dois retourner au boulot. Non, ah, et bah bon. Ça, ça veut dire qu'on va finir notre discussion. Alors, du coup, alors, je finis ça. En fait, maintenant, à chaque fois, dès qu'il y a une prise en charge d'une personne, il y a une archive médicale à faire. Hein, que, dès que tu auras ta trousse, il y aura accès. Et en gros, il faut remettre un peu de ce qu'on a fait sur la personne, ce qui s'est passé, tout ça, en gros. J'suis en train de rédiger ça. Chanel. Tranquille. Un nouveau doc de Van Horn. C'est un monsieur qui est en observation à Valentine. Ah. D'accord. Alors que je vois ça. Alors je suis désolé, j'ai long à écrire. Oh oui, il s'est rigolé. Ah bah ça va, alors il va devoir changer de ville. Sinon, il va se sentir dépaysé. Bah, il rigole aussi bien, Valentine. Ouais, ouais. Ouais, il rigole bien, Valentine. Ouais. Oh, Clyde est drôle, quand même. Ah oui, oui, oui. Ah, bon, je suis concentré parce que je suis en train d'écrire mon papier avec une seule main, donc c'est un peu chiant. Envoyer MP, Kylian, parce que j'ai rien reçu. Hein. Si t'as envoyé MP. La dernière fois, j'ai dit ta gueule à un de mes frères. Il y a une shérif qui l'a prise pour elle. Ouais. J'avais beau lui dire, bah non, je vous parlais pas à vous, je parlais à mon frère. Elle fait, ouais, de toute façon, ça se dit être des hommes, mais ça porte pas ses couilles. Je fais, mais qu'est-ce que tu me casses les couilles? Ça fait 10 fois que je te dis que c'est pas à toi que je parle. Donc, à un moment, hein, tu vas aller voir ta maman et tu vas la prendre. Et paf! C'était qui la shérif? Je sais pas, j'ai pas pris son nom. Une shérif de Valentine? Oui. Bon, après, je me suis fait arrêter. Mais. Quand même. Ah, forcément, ouais. Mais après, ils ont. En fait, juste avant ça, ils ont voulu arrêter mon frère. Sauf que, bah, il avait rien fait de mal. Ouais. Donc, bah, moi, je m'y suis opposé. Bon, après, toi, Klein, tu connais ma façon de m'opposer aux choses? Mais pour mieux expliquer, bah, j'ai sorti mon arme, j'ai fait toucher-le, je vous fume. Comme du tabac. Et après, bah, ils étaient pas contents. je sais pas ce que je vous ai dit, bon, vous le savez, de toute façon, je pense, monsieur Morgan, faudra passer dans 24 heures pour faire retirer les points, surtout. Hein. Oui. Hop, alors ça va être bon, je regardais juste si j'ai bien réussi à classer dans mon beau dossier. Bon bah ce soir je passe pour les points de suture ensuite aux blessures par balle et demain pour les points de suture à la tête. Tout à fait, c'est ça. Ah vous aussi vous avez votre rendez-vous journalier? Oui. Attendez, j'ai oublié de réactiver. Ah, bientôt monsieur Caleb va falloir une carte de fidélité pour venir nous voir parce que... Ah mais moi je demande pas mieux. Hein. J'ai oublié de réactiver mon... Les 10e offert. Tout à fait. Ah bah je vite les attendre. Oh bah, je pense que c'est dépassé à ce stade là. Déjà hier vous avez quelques-uns là. Oui, mais en plus hier j'ai voulu protéger Stacy. Mais les citoyens de Van Horn ils étaient pas en sort de Lexi sinon avec le code pénal. Le souci c'est que suffit qu'il y en a un qui fasse chier, tout le monde vient nous faire chier donc. Je les ai pas tués, hein, vous en faites pas, je leur ai juste collé des balles dans la tête. Ah, juste ça? Oui. Ça va, je me sens très rassuré d'un coup. Mais j'ai l'impression d'entendre. Cette fois, c'était de la légitime défense, hein, parce que vraiment, c'était une attaque gratuite des concitoyens sur ces personnes. Okay. Hein. On a eu un docteur de chez nous gravement blessé, donc. J'ai l'impression d'entendre quelqu'un qui est ivre de me dire en jouant, je les ai pas tués, je leur ai juste mis une balle dans la tête. Ah non, non, je parle toujours comme ça. Non, mais la manière dont ça a été dit, c'est. Alors je les ai pas tués, mais je leur ai juste mis une balle dans la tête. Mais ils sont pas morts. Juste ça. Ouais. Mais ils sont pas morts, hein, ils sont encore vivants. Oui, non, ça c'est un peu ma façon de parler. Vous allez apprendre à me connaître, vous allez voir. Ah oui, si vous passez sur Hansberg, vous verrez Monsieur Caleb assez régulièrement. Oui. Enfin, c'est comme par exemple. C'est comme par exemple dire. Ouais, il a pris une balle dans le bras. Bon, à l'heure actuelle, il est amputé, mais c'est rien. C'est pas grave. Oui. Il est pas mort. Il est pas mort. Comme par exemple, ma dernière connerie, ça remonte à hier. Bah, je suis rentré en rampant dans les cellules, sans que les shérifs s'en aperçoivent. Ah bah bravo. Après, on va dire que vous cherchez peut-être un petit peu aussi. Hein.
Vous étonnez que les shérifs vous ont dans le collimateur. Ah, mais ils m'ont pas dans le collimateur, ils m'adorent. Ouais. Bah oui. Non, car j'ai fait surtout le code pénal, code de la route, constitution, code du commerce, les travail et règlement de la chambre de représentants. Autant te dire que c'est long à faire. Bah oui, elle est recherchée, donc c'est une criminelle. Ah, m'étonne que c'est long. Ah, j'ai appris ça. Ouais. Ah, j'ai deux de mes collègues aussi qui sont recherchés. Par contre, apparemment, elle vaut que 25$. Bon, à sa place, je le prendrais mal, quoi. Ah non, mais ça va, elle s'en sort bien par rapport à mes deux collègues. Hein. J'ai eu des hallucinations, j'ai vu un arc-en-ciel passer à pleine balle. Je crois que c'est le médicament que j'ai pris tout à l'heure, ça commence à me faire effet là. Ah, ça a l'air pas mal. Ouais, ça doit être si vous voulez, je peux vous donner des trucs qui feront plusieurs. Ah, sans façon. D'un coup. Mais je vends pas de drogue, hein, monsieur le shérif. Vous en faites non, pas. Non. À peine. J'en doute pas. Non. Vous êtes un homme de confiance. Oui. Il est pas comme ça, enfin. Non, je suis jamais allé à Sissika. J'ai pas un casier long comme. Comme dirait l'autre, j'ai jamais été en cellule, mais j'y vais pratiquement tous les soirs, mais j'ai jamais été en cellule. Non, ça va, je crois que j'y ai été quoi, une dizaine, douzaine de fois. Ça va, seulement. Oui. Et j'ai été une fois à Sissika. Vous savez que moi, je vais vous dire un truc, vous savez que moi, à n'importe quel moment, je peux finir en cellule. Ah bon? Ça fait depuis une semaine que j'essaie de voir un maire pour récupérer mes papiers, et que j'ai toujours pas vu de maire. Bon, je suis recensé, c'est pas le problème, mais on va dire que pour moi, c'est compliqué de voir certains maires. Oui, je comprends. Donc j'espère que demain soir, ça... C'est Renan croisé, sinon, voilà ça. Moi j'ai mes deux cartes d'identité, mexicaine et américaine. Moi justement j'en ai aucune, c'est ça le problème. Vous voulez la mienne? Ah non, je voudrais la mienne mais avec mon nom dessus. Parce que bon, vu que j'en ai deux, je peux bien vous en prêter une. Oh mais après c'est moi qui ai des ennuis derrière. Oui. Ou ça sera lui si vous faites des bêtises. Ah c'est pas faux. Ouais, alors je veux bien votre carte d'identité, comme ça je peux faire plein de conneries, c'est vous qui prendrez. Vous en faites pas, les shérifs me connaissent déjà. Ah, que ce soit ceux de Strawberry, Valentine, Annesberg. C'est vrai que l'Aquateur, c'est la première fois. Ah bah, vous êtes pas déçu. Est-ce que je vais visiter vos cellules? De quoi? Est-ce que je vais visiter vos cellules? Oh bah si ça peut vous faire plaisir, on peut s'en rendre. Allez, comme ça je peux voir un peu à quoi elles ressemblent. Allez, et on y va alors. Allez, ça me va. J'ai l'impression qu'il a reçu un carton d'invitation pour visiter la cellule. C'est ça, vous êtes choisi. Bravo, vous avez été sélectionné par notre grande loterie pour remporter un séjour dans notre magnifique cellule 3 étoiles. C'est ça, exactement. Le tirage au sort. Bon, on n'est plus à ça près, hein, j'ai envie de dire. Je suis quand même rentré en rampant dans les cellules d'Annesberg. En disant, je rentre à la maison. Oh, quand même. Bon, bah allez, on va y aller alors, monsieur Morgan. Pas de soucis, nous c'est pareil, on va y retourner aussi. Allez, bah des bisous, les docs. Et bah du coup, bon courage à vous. Bonne soirée. Des bisous. Allez, allons-y. On va se mettre en route, je regarde juste mon classeur. Oh là là, les gars. Comment vous voulez que je ne craque pas sur ce jeu? Hop là, je vois mon rendu de live et c'est magnifique. Un nouveau corbeau. Hop là, c'est où? C'est juste là-bas, c'est au-dessus. Ah les gars, il n'y a que 17h48? Je croyais qu'il était plus tard que ça. Ouais, impeccable. En avant. Ah du coup, des fois j'ai des soucis avec les mouettes, c'est chiant, mais bon, c'est de faire au mieux. Moi pour l'instant ça va. Mais c'est pas la même mouette. Ouais c'est vrai. Ouais non, moi c'est les mouettes, vous savez les mouettes qui sont chiants, qui viennent crier pour embêter. D'accord. Ah, ouais. Moi c'est ce genre de mouette. Mais bon, là pour l'instant c'est que...
coup voilà, enfin la prise en charge, tout ça, là c'est, voilà, c'était juste une petite plaie à la tête, rien de bien méchant. C'était assez superficiel, donc à chaque fois rédaction d'un dossier, tout ça. Puis vous verrez que vous allez être confronté à beaucoup de personnes, de beaucoup de milieux. Donc là, comme Monsieur Caleb, qui est très gentil avec nous, mais on sait que c'est un bandit, on sait qu'il est pas forcément dans les affaires très illégales, on va dire. Et voilà, c'est des personnes qu'on peut voir régulièrement et qui ça se passe avec nous régulièrement bien, mais il faut malgré tout savoir mettre un minimum de distance pour pas être emmerdé. On a vu des médecins emmerdés parce qu'ils étaient au mauvais endroit, au mauvais moment, avec les mauvaises personnes. Je vois. Après, pour faire payer... Après, quand vous faites les soins, vous faites payer directement sur place, hein ? Ouais, tout à fait. En fait, quand on va relever une personne qui a été dans le coma, c'est qu'on va devoir utiliser une seringue pour le réanimer. Ça va être fracturé 3$. Après, si jamais c'est une simple blessure sans gravité, où on peut juste faire quelques soins et mettre un bandage, là ce sera 1$ hein, du coup. D'accord, ah, après ouais, il y a tous les documents qui sont indiqués pour dire combien on doit faire payer, etc. Tout à fait, de toute façon il y a voilà, c'est soit 3$, soit 1$, et après pour les sirops c'est 2$ du coup. D'accord. Après vous verrez que des fois en fonction, il y a des gens qui peuvent être généreux et donner un peu plus. En vrai, on va se tutoyer parce que ça va être mieux, je pense. Comment ? J'ai dit on va se tutoyer, je pense que ça va être mieux. Ah bah, pas de soucis, on peut se tutoyer, ça me dérange pas. Mais ouais, du coup, il donne un peu plus parfois. C'est quoi déjà ton nom, tu m'avais dit ? Alors moi, c'est Gérald. Gérald. Avec un T, Gérald. Gérald. C'est ça. Hop. Et du coup, Johnson. C'est ton prénom, Johnson ? Non, Terence, c'est mon prénom. Terence, ok, ça marche, Terence. En tout cas, ça m'avait bien manqué ce petit paysage. Hein. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Quand on est dans un paysage où que... Quand on est dans un paysage où que... Y a pas d'arbres, rien du tout. Bah, c'est bien triste. Ah oui, j'imagine. Hop, là. Ça a rien à voir avec GTA, les gars. Quoi, donc bon, l'avantage du boulot de médecin, c'est qu'on rencontre beaucoup de monde, on voit beaucoup de choses. Et tu te déplaces partout. Et on se déplace partout. C'est vrai que là, sur les dernières semaines, je faisais beaucoup d'horaires de nuit. Donc, en fait, j'étais quasiment le seul médecin présent entre 2-3 heures du matin jusqu'à 7-8 heures. Donc, ah oui, quand même. J'ai beaucoup voyagé. Mais là, c'est ma dernière soirée comme ça. Après, je reprends un rythme normal. Après, ça va piquer. Ah bah après, oui, ça va piquer, c'est sûr. Moi, je le montre pas, mais en vrai, je le montre pas, mais en vrai, je suis extrêmement fatigué. Ouais, on va dire que je suis réveillé depuis 5h15, quoi. Ah oui, quand même, hein, ouais. Donc, c'est pareil, j'ai dormi 2h cette nuit, donc je suis un peu crevé. J'attends qu'une chose, c'est finir la réunion ce soir et... Ah bah là, moi, à 20h, je suis plus là. À 20h, je dors. Ça marche. Ça, demain, ça ira mieux. Ah bah oui, il faut se reposer de façon. Alors, où est-ce qu'on est là ? Regardez-moi ça, les gars. Hop là. Du coup, tu seras sûrement farmé par Clyde ou par Moira. Alors. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hop, alors. Bah, Moira, elle est bien. Clyde, j'ai pas vu parce que j'ai pas été formé par Clyde, mais Moira, elle a participé un petit peu à ma formation et. Moira, c'est la chef de Valentine, ça. Oui, c'est ça, c'est la chef de cabinet. En fait, avant, elle était adjointe à Annenberg. Ouais, c'est ce qu'elle m'avait dit. Moi, je suis arrivé apprenti, c'est pour ça. Je sais pas si elle peut être là aujourd'hui. Bon, je pense qu'elle sera là ce soir, sûrement, à partir de peut-être 20h. C'est souvent vers ces horaires qu'elle a le plus de doc, hein, vers 20h jusqu'à 1 ou 2 heures du matin. Lexi, je suis pas en train de te chauffer à faire du Red Dead. Alors, là, en vrai, avec le pack graphique et tout. Je te jure, je vois mon rendu sur le téléphone, en vrai, c'est pas du tout dégueu. Hein. Hop là. Ouais, c'est ça que je kiffe sur Red Dead, c'est que les... un cheval, tout ça, au cas où. Ouais, j'ai un cheval.
Il est entraîné ou pas du tout? Non, il est pas du tout entraîné. Ça marche. Bah écoute, si... Je pense vers, ouais, vers 18h30, par là, je pense que je vais l'entraîner un peu. Ouais, ça marche, parce que si jamais il y a une écurie Gallo-Rouge à Rhodes qui font un rabais pour les personnes qui entraînent leur premier cheval. Hein. Ah, moi, je l'entraîne à Strawberry. Ah oui, c'est... parce que j'avais fait l'autre fois avec celui-ci, j'avais... Ah non, c'est pas celui-ci, l'autre entraîné. Celui-là, je l'ai confié au Gallo-Rouge, justement, parce que j'ai pas trop le temps de m'y consacrer. Alors, on devrait pas être très loin. Ça c'est pas mal, mais moi je suis surtout dans ce qui est moderne et donc GTA, mais bon, ça a l'air sympa. Après, le RP Red Dead est comparé au RP GTA. Déjà, la communauté RP Red Dead, c'est beaucoup plus mature que GTA. Genre, t'as pas... Ah oui. Oh, c'est du bon gibier, ça. Hop. Ouais, c'était sûr. Hop là, il n'y a plus rien, je pense pas. Impec. Ah, je crois que... Ah oui. Alors, ah oui, il a bien été... Oh là, il a pris beaucoup de plein. Eh monsieur, on se réveille. Répondez-moi, est-ce que vous m'entendez? Ah moi par contre les gars, bah les couilles. Hein. Hop, allez répondez. Attendez, on sait jamais. Monsieur, préfère pas prendre de risque, on sait jamais. Oui, je vous en prie. Mec, c'est... Allez, je regarde un petit peu. Vous êtes fait attaquer par un grizzly, apparemment. Oh, j'ai mal. Oh, putain. Oui, non, vous avez des belles plaies au niveau du torse. Alors, on va regarder tout ça. Hop. Attendez, je vais enlever si vous voulez. Allez, si je vous ai aidé à enlever. Merde, c'est la chemise. Voilà. On va enlever la veste, la chemise. Merde, c'est quoi les commandes? Mec, il connaît pas les commandes du serveur. Ok, ouais, effectivement, effectivement, il y a des belles plaies. Va falloir que je regarde assez rapidement s'il y a un corps étranger, tout ça, il va y avoir des saignements. Est-ce que vous voulez une anesthésie ou est-ce que vous voulez mordre dans une lanière de cuir? Ouais, on va faire ça à l'ancienne. Allez-y, lanière de cuir, ouais. Ok, bah allez-y, mordez ça. Ok. Et ce qu'on va faire, vous allez vous allonger sur le dos si possible, comme ça je vais pouvoir travailler plus facilement sur votre torse. Hop, oh putain, désolé. Alors, alors, si vous pouvez éviter de bouger, parce que là, bouger un petit peu. Hop. Bon, sinon, mettez. Sinon, asseyez-vous, peu importe. Je vais regarder comme vous êtes le plus à l'aise. Si vous êtes plus à l'aise debout, que vous sentez que vous n'allez pas vous évanouir, on peut pas essayer de traiter comme ça. Hein. Alors, attendez, je suis un peu confus là. Allez-y. N'inquiétez pas. Merde. Non, non, c'est... Pardon, désolé. Allez-y. Okay. Est-ce que ça va te déranger si je m'allonge comme non, ça? Non, on va travailler comme ça, pas de soucis. On va regarder ça. Alors, faites voir. Ok, donc il y a deux belles lacérations sur le torse. J'ai pas l'impression que les organes soient touchés, on va regarder. Hop. Alors je regarde juste, hein, je nettoie un petit peu la plaie à l'eau. Pour l'instant. Oui, je... alors t'as dit, je mets le. Allez-y. Hein. Alors, c'est. Alors, okay. Tout bon. Okay. En fait, apparemment, il n'y a pas de stuff. Ok, bon. Déjà, il n'y a pas de corps étranger. Ça, c'est le mec que je connais. Celui-là ? Alors qu'on regarde ça. Hop, je vous mets votre chapeau ici à côté. Hop. Allez, je vais vous désinfecter les plaies. C'est... Attends, c'est pas, lui que j'ai vu tout à l'heure là qui m'a dit. Okay. Allez, pas quoi. Bougez pas. Allez, je désinfecte, je vous mets de l'alcool dessus. Allez, quasiment fini. Voilà. Allez, maintenant je prends le fil d'aiguille et je recous. Oui, c'est lui. Allez, je commence à faire les points. Voilà. Allez, j'ai quasiment fini la première lacération. Je vais faire la seconde lacération. Ça va pour vous? Ça va aller?
Oh, ça va aller, ouais. Ça va aller. Allez, pareil, on attaque. Hop. Allez, on y va. Ah, toujours bien joué, RP. Eh, là, les gars, s'il y en a un qui me dit qu'il veut pas son pain, la vérité, je le démarre. Je le démarre. Il joue bien le pain. En vrai, les gars, c'est ça qu'il nous faudrait sur GTA. C'est des joueurs comme ça, vous voyez, qui jouent ultra bien son pain. Voilà, impeccable. Okay. Oh, c'est jamais agréable. C'est du RP comme ça qu'il nous faudrait sur GTA. Est-ce que vous voulez que je vous aide à vous relever? Ah oui, je veux bien, oui, tu veux m'aider, oui. Allez, à 3, 1, 2 et 3. Oh, allez, je peux vous aider à remettre vos vêtements. Alors, on va y aller avec le t-shirt. Merde. Allez-y. Enfin, les chemises. C'est pas ça que je veux faire. Impeccable. Si j'y arrive tout seul, c'est fantastique. Oh putain. Ok. Hop, juste prendre votre don, s'il vous plaît. Et moi, c'est Monsieur Vib, V-E-E-B. Monsieur Vib, Martin, c'est ça? Oui, Martin, exactement. Bah, ouais, ça commence à me fatiguer, les animaux sauvages. Entre ah, puis c'était... J'en peux plus. Ouais, puis c'était pas n'importe quel animal, là. C'était carrément le grizzly, là. Ouais, ouais, mais tout à l'heure, je me suis fait attaquer par des loups. Heureusement, je me suis mis sur un rocher. Mais j'avais même pas mon arc, alors je pouvais pas me défendre. Je suis resté un quart d'heure sur le rocher comme un con. Je sais pas, je le connais pas. Hop, alors, je remplis mon petit papier, moi, après je regarde pour votre bandage. Moi, les loups, j'ai failli me faire attaquer aussi par des loups. Pendant deux secondes, je me suis dit, qu'est-ce que... Pendant deux secondes, je croyais qu'il y avait un ours qui sortait du buisson. J'allais dire, putain, non, c'est pas encore. Ah, mais j'ai eu de la chance que le caillou soit assez élevé, parce que, putain... Ah, puis de la chance que vous ayez des couches de vêtements assez... pas mal de couches, parce que ça vous a un petit peu protégé. Parce que je pense qu'une simple chemise, ça vous attaquait les organes directement. Vous auriez pu rester. Il est beau, ah bah ouais, ça. Là, je pense, ouais, eh, merci à Kabou hein, qui m'a expliqué le tips pour Richard. Hein. Le jeu, il est grave beau. Et encore, en Richard, j'ai même en mode solo. Votre bandage. Alors, du coup, on avait dit deux lacérations sur le torse. Hein. Oui, 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 c'est ça, oui. Oui. Le jeu, il est grave beau aussi. Les points de suture, c'est à faire enlever demain, c'est ça? Oui, dans 24 heures, donc demain, à partir de 18h, vous pouvez passer là, j'enlève Reshade. Regardez la diff. Ok, ça marche. Regardez la diff. Les couleurs, elles sont sombres. Bon, en soi, le jeu, il est beau. Il reste beau quand même. Mais avec Reshade... ça vous coûtera $1 hein, que vous les couleurs donner, sont graves à améliorer, tu vois. Oui, oui. Ah, je pensais que t'as le shérif. Non. C'est un monsieur qui est en observation sur le métier de médecin pour aujourd'hui. Ah, ok, d'accord. C'est ça. Alors attendez, bougez pas, je prends mon petit porte-monnaie. Ouais. Salut Iceman. Non, puis même, les gars, en vrai, ce que je kiffe sur Red Dead, c'est la map. Regardez-moi ça. Regardez la map. Alors, on a dit $3, c'est bien regardez ça. Le c'est ça. Tout à fait, $3. Regardez le paysage. Hop, du coup, alors que je regarde si j'ai bien voilà, noté. Merci. Comme ça, je refais la lecture vite fait de mon archive, comme ça, monsieur, pour avoir un peu ce que je peux mettre dedans. Après, chaque médecin fait un peu comme il le veut. Chacun note un peu ses soins comme il le veut. Donc, lors de notre arrivée, la personne est inconsciente, constatant que ceci présente deux lacérations sur le torse, une de 8 cm, une de 11 cm. Alors, pas d'anesthésie à la demande de la personne, nettoyage des plaies, découpage des chairs si nécessaire, vérification de la présence de corps étranger, négatif, pas de corps étranger, désinfection de la blessure à l'alcool 90 degrés, réalisation de 19 points de suture, donc 11 points pour la première lacération et 8 points pour la seconde. Seconde désinfection à l'alcool 90 après suturation, application du baume cicatrisant et d'un bandage. Temps de repos 10 minutes et doit repasser dans 24 heures pour retrait des points. Et c'est tout bon, voilà, l'archive est complète. Voilà, c'est à peu près ce que je vais acheter, qu'il y ait une intervention sur les personnes. Bon, là c'est une attaque d'un animal, mais en fonction des cas, ce sera toujours des choses plus ou moins différentes. Bienvenue à vous, les gars. Hop, donc, je veux dire, 70% des cas, ça va être attaque d'animaux ou des blessures par balle. Vous savez les gars que cette coupe de cheveux elle a été refaite mais version sur GTA en mode. En vrai il y a plein de coupes de cheveux qu'on peut prendre de Red Dead pour les mettre sur GTA en vrai de vrai. Alors monsieur Martin Vib avec de Grizzly.
Merci Alice pour le follow. Et du coup, hop, temps de repos jusqu'à 18h05. Donc je vais attendre de... Oui, mais je vais m'asseoir un petit peu de musique là. Histoire de retrouver mes esprits. Je te donne les liasses de billets ou je les garde? Non, vas-y, garde-les. Ok. Garde-les. Éventuellement, pour la peau de Grizzly, parce que t'as pris les ressources de Grizzly, tu peux les donner à monsieur éventuellement. Ouais, c'est ce qu'on fait généralement. Quand on intervient sur une personne qui a été attaquée par un animal, on abat l'animal, on laisse la personne la dépecer s'il le veut ou s'il laisse, peu importe. Et monsieur a l'air d'être un chasseur, donc je pense que ça peut l'intéresser. Oui, bah, c'était le but, mais après, si vous voulez la garder, vous la gardez. Hein. Non, vous inquiétez. Où est-ce qu'elle est partie, Ablette? Eh, ramène-toi ici, toi, je te vois te barrer. Possible, ce cheval est têtu comme il n'y a pas. Peau de cerf, gourde vide, peau de glace. Vas-y, je vais demander de retirer vos vêtements à nouveau que je puisse regarder le bandage. Oui, bien sûr, oui. Hop, merci bien. Hop. Je vais mettre ça sur... Je vais poser à côté, je mettrai ça sur mon cheval tout à l'heure. Alors, ouais, voyons voir. Ok, et bah déjà le segment s'est arrêté, ça. Pas de soucis. Hop, voilà, je t'ai tout donné. Les points de suture ont l'air de tenir. Tu saurais expliquer comment installer le refail sur le RP solo? Aucun problème avec Nvidia, mais un an sur LGW, toujours pas trouvé comment faire le filtre Nvidia. En fait, quand tu installes. Un petit peu, mais il faut qu'il tienne encore. Ok, ouais, je me pose au bord de l'eau de petite seconde. Pas de soucis. En fait, quand tu installes Reshade, il faut bien que tu fasses gaffe que quand tu l'installes, tu mettes bien le bon mode graphique. Genre, par exemple, tu vois, quand tu installes Reshade, en fait, je sais plus où que c'est. Là. En fait, quand tu installes Reshade, tu as l'option DirectX et tout le bordel. Et en fait, faut que tu sélectionnes Vulkan. Donc là, tu sélectionnes Vulkan. Et après, ton e-shade. Alors attends, je vais essayer de montrer en speed. Là. Et après, ton e-shade, quand tu l'installes. Hop. On va aller. Où est-ce qu'il est, là. Et en fait, quand tu installes e-shade, ton e-shade, faut qu'il soit installé ici. Là où tu as installé Redem. Donc en fait, quand tu vas sélectionner l'emplacement du jeu, tu ne sélectionnes pas Red Dead, mais tu sélectionnes Red M. En fait, quand tu l'installes. Donc tu mets Reshade, tu sélectionnes Vulkan, le jeu tu sélectionnes Red M et tu coches tous les presets Reshade. Moi, quand j'ai DL, j'ai installé tous les presets Reshade. Et après, bah du coup, après quand tu te connectes, t'as la fenêtre Reshade comme ça. Donc voilà. On va aller voir plus loin s'il y a une route. Ah oui. Oui, je crois qu'il y a un petit sentier de l'autre côté. Ouais, juste en face, il y a un sentier. Hop. En avant. Hop, les. Ouais. Et ça marche, super, merci pour les infos de rien. Bon, du coup, souvent, en fonction, quand c'est des choses comme ça, généralement, j'attends de faire l'archive pour desserrer un peu le bandage après, comme ça évite qu'il galère trop à pouvoir rentrer chez lui, parce que si le bandage est trop serré, ils ont un peu de mal à se déplacer souvent, et quand ils sont loin comme ça et qu'on peut pas les ramener, c'est toujours très compliqué. Ça marche. Après, quand c'est des blessures par balle, bah là c'est au moins une demi-heure avant de pouvoir desserrer le bandage, être sûr qu'il n'y ait plus aucun danger, donc là on les laisse soit sortir, histoire de couper le de stopper le saignement. Oui, c'est ça. Hop, regardez ça les gars. On va essayer de voir pour retourner sur Valentine. Hop. Voilà. Petite vue cinématique. Parce que elle commence à fatiguer un peu là, la jument. Ah, et ben. Un nouveau blessé, alors Strawberry. Je kiffe la vue cinématique. Strawberry, il y a. Hop.
Alors vous verrez après, enfin tu verras après, il y aura des divers classeurs auxquels on a accès, le classeur de service ou classeur T et le classeur D. En gros, sur le classeur de service, ça nous permet de voir quel médecin est en service et à quel endroit il est à peu près. Donc, par exemple, là je sais qu'il y a un médecin sur Blackwater qui est éventuellement possible en mesure de se transporter sur Strawberry. Donc je vais attendre un peu, si jamais je vois qu'il se transporte pas sur Strawberry, bah, j'irai du coup me rendre. Ça marche. Que normalement ouais, il est apprenti, mais il est apprenti mais il est en autonomie normalement, donc il devrait pouvoir s'y rendre tout seul. Comment ça va le live? Hop, ouais, on va voir ça. Dis donc. Vous parlez pas beaucoup hein, je ne meurs pas, je suis pas un cannibale hein. Donc ouais, donc en fonction des journées, il y a des journées où c'est qu'il y aura pas grand chose, très peu de blessés, puis il y a des journées où on va pas arrêter. Hein. Donc ce sera le rush. C'est ça. Après j'ai regardé. Bon après là dernièrement j'ai fait pas mal d'heures, mais en moyenne j'ai relevé à peu près 8 personnes par jour. Hein, pour le moment. Ouais, ça fait que là en 3 semaines je suis à. Je bosse en même temps sur le site. Ok. Je suis pense à après vers 19h je vais aller faire un peu de rédiger. C'est plus des archives à ce moment-là, c'est un roman le match. Ouais, j'ai envie de dire, c'est un tome. Ouais. Et bon, après, ça se fait petit à petit, et puis. Personnellement, j'utilise du papier carbone qui me permet d'avoir déjà des archives pré-remplies par moment. Et en gros, ça me fait gagner du temps. J'ai plus qu'à re-remplir derrière et je gagne beaucoup de temps. J'allais dire on a Valentine, mais non, c'est Rhodes ça. Non, c'est Valentine. Ah, c'est Valentine? Ouais. Ah oui, d'accord, oui, on est arrivé par le... Ok. C'est ça, on est arrivé par le dessus, par le nord. Hein, j'ai plus l'habitude. Alors, est-ce qu'il y a du monde ici? Je crois pas. Est-ce que mon armurier préféré est présent? Je ne sais pas, on va aller voir. Bonjour. Hop. Bonjour. Est-ce que à tout hasard tu as un lasso? Ouais. Est-ce que y a moyen de foutre un coup de lasso sur mon cheval qui puisse essayer de rentrer à l'écurie? Parce que il est trop fatigué pour bouger là. Calme-toi. Qu'elle devrait réussir à se partir. Ah, j'aime beaucoup la race, c'est vrai qu'ils ont un sacré caractère. Ouais. Là, elle a l'air d'être. Non, elle est hyper têtue, hein, vraiment. Calme. Calme-toi. Voilà, impeccable. Merci. Alors, est-ce que monsieur l'armurier est présent? Je vais dire le bonsoir à la Clyde. Comment? Bonsoir! Ah oui, le fameux bonsoir à la Clyde. Et bah non, il n'est pas là, monsieur Greyback, putain. C'est quoi comme carabine que vous avez? Un fusil à petit gibier. Okay. C'est quoi comme munition dans ces missions pour fusil, c'est ça? Ou répétition? Je crois. Je pense que j'ai ça, mais j'ai acheté par erreur. Tiens. Voici si ça fonctionne pour... Je te dis ça. Hop. Non, bon, c'est les munitions de carabine que je prends. Ah ok, bon bah, pas de soucis. Non bah sinon... Ah, c'est cher les munitions, hein. Oh, 2 dollars. Ah bah après, faut pas acheter ici, hein. Enfin, faut pas acheter ouais. Dans là. En fait, dans les objets du commerçant, il y a son étal au commerçant, et là, les munitions sont beaucoup moins chères. Ah oui, largement, munitions revolver à 0,55, bah largement. Ah ouais, non, faut toujours regarder dans l'étal du commerçant directement. Quand il n'y a pas de carabine. Oh non,
Ah bah peut-être que tout a déjà été vendu. Hop, mission fusil. Oh, mission fusil, ça, c'est pas la même chose ça. Bon, je pense que c'est peut-être munition fusil. Hein. Hop, c'est quoi, il aurait été là, on lui aurait demandé. Excusez-moi. Il est pas perdu. Oui. Oui. Vous savez pas s'il y a un docteur en ville ? Présent, je suis docteur si vous voulez. Ah bon ben voilà, impeccable. Vous auriez un sirop pour la gorge ? Un sirop pour la gorge, oui. Vous avez quoi exactement comme symptôme ? Une angine apparemment. Ça me gratte dans la gorge. Bah, j'ai acheté un truc pour rien. Bon, j'ai acheté des munitions de revolver. Je dois avoir ça. Hop. Bah, regardez, ça tombe bien, j'en ai dans la poche juste là. Ah, impeccable. Buvez ça, voir si ça fait effet. Ils sont ah, ils sont là. Impeccable. Combien je vous dois ? 2$, s'il vous plaît. Puis je vais prendre votre nom aussi, s'il vous plaît. Alors, c'est Juan Mendoza. Avec un S ou un Z, Mendoza ? Un Z. Un Z. Juan, c'est ça ? Exactement. Super. Et bah, merci bien. Ce sera tout bon. Éventuellement, si vous voulez, vous pouvez donner les 2$ à la personne à côté de moi qui est en observation. Hop. Ah, bah, je sais pas. Non, bah, pas de soucis. C'est qui l'a eu ? Non, bah, c'est moi. Bah, écoutez, je vais partager avec lui. Hop là. Impeccable. Voilà. Bah, je vous remercie, docteur. Non, bah, je vous en prie. Bonne journée à vous. Merci. Bonne journée. Aussi. Merci. Hop là. Alors, je vais faire vite fait mon archive. Alors, il y a des médecins qui le font pas, mais personnellement, je fais une archive même pour les maladies comme ça. Parce que si j'ai une personne qui se présente pour X rhume, c'est qu'il y a peut-être quelque chose derrière, donc je préfère avoir un bon suivi. Et puis, même, t'as toujours une trace. Exactement, ouais, c'est ça. Comme ça, il n'y en a pas un qui dit « Ouais, mais en fait, t'as vendu un médicament, mais c'est pas signalé, quoi. » Oui, totalement, hein, totalement. Alors, personne se présente à nous, hein, ils commencent à se sentir malade, ces symptômes sont... Y'a pas une fontaine à eau dans le coin, là, que je remplisse ma gourde ? Alors là, quand on sort de l'armurerie, deux fois à gauche et juste derrière, vers l'endroit où on peut pendre les gens, il y a une fontaine juste devant. Eh ben, je vais les remplir là-bas. Moi, je reviens. Pas de soucis, ça marche. Elle est où ? Où est-ce qu'elle est ? Bah... Ah mais oui, derrière le truc qu'on pend, je suis con. C'est pas ça que je voulais faire. C'est ça, tac. Je vais en profiter pour remplir ma gourde parce qu'elle est vide. Hop là. Ouais. C'est pire. On va se mettre comme Des fois, elle ne fonctionne pas. On va se mettre comme alors ça. On a de la chance. On a de la chance, il y a de l'eau. Hop là. Et bah après, je pense qu'on va retourner sur Van Horn parce que ma trousse médicale commence à se vider. Je vais plus avoir grand chose si jamais on a une zone noire ou un truc du genre. Hop. Moi je pense que je vais aller vaquer à mes occupations et j'en reviendrai un peu plus tard. Ouais, aucun souci, pas de souci, on peut faire comme ça. Hein. De toute façon, si besoin, on passe nous voir et puis on essaiera de te mettre au mieux. Ça marche, et bah y a pas de souci. Et bah super, bah écoute, et bah au plaisir, j'espère avoir réussi à te montrer 2-3 trucs, même si là on n'a pas eu 2-3 quoi, mais c'était des trucs assez. Ouais, assez mais je pense demain ça devrait faire, peut-être demain ou samedi donc. Ouais, aucun souci, on fait comme ça, ça marche. Ça marche, bon bah plus tard. Et bah repose-toi bien, Thérèse, et puis à la prochaine. À la prochaine. Je vais aller vendre mes viandes et tout histoire de me faire un peu d'argent.
Attention, regardez le cheval de compète là. Regardez-moi ça, le cheval de compète, mais mort. Oh, le cheval de compète. Hop et... Bon, par contre, en vrai, juste lui enlever le manteau. Hop là. Allez, on va aller à Strawberry. On va aller voir s'il y a du monde là-bas. Ah les gars, on va faire plus simple, regardez. Regardez ce que je vais faire. Hop, on va faire comme ça et tac. La musique ça passe tellement. Juste recharger le pistolet. On va juste charger le pistolet comme ça. Si je tombe sur une bête. Bam. Bon, je te laisse et je reviendrai plus tard. Ça marche. Bon, faut que j'essaie de tomber sur une bête. Compliqué de chasser hein. Oh putain, non. Oh, y'a une bête là. Y'a où le lapin? Y'avait un lap. Putain, y'avait un lapin. Je suis nul pour viser les gars. Je suis nul pour viser.
putain. Oh putain. Attends, il s'est barré. Attendez, là ce que j'ai, c'est j'ai quoi? Quoi ça? Attendez, j'ai changé de musique par contre là en vrai. Bon, les gars, vous savez. Bon, les gars, vous savez, je ramasse tout. Du coup, j'ai vendu quoi? Oh, j'en ai pour 4$. Let's go. Ça va me permettre d'économiser un peu pour acheter un arc. Est-ce qu'il y a du monde au docteur au cabinet là? Je vais voir si je peux essayer de voir un maire. Pas une sonnette ici là. Je vais prendre carte d'identité. Je peux pas prendre moi. Je sais pas comment ça fonctionne. Téléphone 1$. On va tenter, hein. Ah, tu peux utiliser le téléphone. Salut Nico, voilà. Non, c'est pas ça. Au pire, les gars, je verrai demain. Au pire, c'est pas grave. Ça va ou quoi, Nico? On va essayer d'entraîner le cheval. Comment ça va? Nouveau sur LGW? Ouais, c'est ça.
je découvre le cerf, donc il y a des choses que je sais pas encore, tu vois. Ça fait une semaine que je suis sur le serveur. Là, le maire, ça fait. Essayer de voir des maires, ça fait depuis la semaine dernière que j'essaie d'en voir. Hein. Mais comme le soir je joue pas, bah c'est compliqué. Ok, je te laisse découvrir. Non, mais après, voilà, me faire découvrir. Mais par exemple, pour le maire et tout, pour récupérer la carte d'identité, comment ça se passe et tout, parce que. Je te jure, ça fait une semaine que je suis en galère là. Après, j'ai mon pote qui revient, en fin de semaine donc. Oula. Oh, il y a la tribu des Wapiti. La tribu des Wapiti. Bonjour, madame, monsieur. Je fais partie de la tribu des Wapiti. Non, c'est pas ça. Bon, on va essayer de l'entraîner, hein. Je promets pas que ce sera une réussite. C'est chaud. Tu surveilles les annonces. Ouais. C'est ce que j'ai cru comprendre. C'est trop chaud à contrôler le cheval. Oh putain. C'est super chaud à faire ça. C'est super chaud. Non, ne. Allez, salut. Hein. Eh, mais on peut pas l'apaiser le cheval en vrai, non? C'est ouf comment il est trop agité. C'est ouf comment il est trop agité. J'ai mis ce clic. J'ai mis ce clic. Ah là, franchement, je suis obligé de mettre ça. David, où t'es neuf ? Ah, mais c'est trop. Bah oui, c'est marrant. C'est rigolo, C'est marrant. Ah là là. Ah, reviens là, t'es de schnock. Tu peux pas le maîtriser, faut juste cliquer quand il te l'indique. Ouais, donc en fait, t'as une chance sur deux de bousiller tout ce qu'il y a autour de toi, quoi. T'as une chance sur deux, quoi. C'est bon, j'ai trouvé la strat, c'est bon. Là, c'est que à gauche. Je crois que j'ai trouvé. Vas-y. Allez, vas-y, mec. Non. J'en ai marre.
J'en ai marre, c'est trop. C'est trop, il va finir par me coma, ce con. Ça, tu vois, c'est le truc que je trouve qui est... Pour ma... De mon point de vue, hein. Mal foutu. Je trouve ça c'est un peu mal fait. Un peu mal fait, je trouve. Après, c'est mon point de vue. Après, il y a déjà pas mal de choses en vrai sur LG. Pas de nourriture, bah ça va. Y'a pas de nourriture, tu manges pas. Mérite pas de manger. Combien que j'ai d'argent? 4$. Peut-être acheter une brosse pour mon cheval, on voit. Il est ici. Ah, la ouais, l'entreprise de munitions, il est à côté. Ah, d'accord. Bah, ben, ça va, hein. Oui. Calme-toi, calme-down. C'est qui ça? C'est pas moi, ça? Oh, je vais la voir. Et bonsoir. Bonsoir. J'aurais un petit bandage, s'il vous plaît. Pardon? Vous travaillez ici? Vous êtes docteur ou pas du tout? Ouais. Je souhaiterais avoir un petit bandage, s'il vous plaît. Venez avec moi. Regardez dans la caisse ici. Vous devez en trouver normalement. Au-dessus de... Il y a... Ah oui, je vois ça. Bandages gouvernementaux et les autres qui sont un peu moins chers. D'accord. Mais bah, je vais prendre ça du coup. Ouais, c'est ça. Merci bien. De rien. Excusez-moi, je suis un petit peu KO, je suis un peu blessé. Y'a pas de soucis. Bonne soirée à vous. À vous aussi. Merci. Ça pas grand chose, mais c'est déjà ça. Combien qu'il me reste là? 3$.
Non, c'est pas là. Là, c'est quoi? C'est le vendeur de cartes. Je crois que c'est occupé, monsieur. Ouais, mais j'attends que vous terminiez, vous inquiétez pas. Ah, en fait, c'est un hold-up. Ah! Ouais. J'avais pas compris dans ce sens-là. Pas de soucis. Bon, bah, force à tout le monde. Bon, que ça va faire. J'imagine bien. Chacun ses affaires, j'ai envie de dire. Exactement. Ce que tu veux, hein. Écoute, moi je m'en fous. Hein. Bah non, il y a quoi ici en vrai? Vente. Le mec trop gaga. Putain, je peux pas le caresser. Merde. Salut Palo. Bon, est-ce qu'il a fini son hold-up ou pas le monsieur? Est-ce qu'il a fini ou pas? Ah, il peut avoir. Ah, il peut avoir s'il a fini. Non, il a pas fini. Bon, tant pis. On va aller. On va retourner à Valentine. Ça va et toi? Y a pas un autre. Un autre magasin au plus proche là? Oh putain, allez, vas-y, tu sais quoi, je vais aller à Valentine et on va se déco là-bas. Et on va se déco là-bas. Comment vous avez découvert mon stream, les gars? C'est grâce à LGW? Je sais même pas combien on est sur le stream maintenant. Ah oui, il y a du monde! Ah oui! Ça fait beaucoup! Ça fait beaucoup de bison là! N'hésitez pas à lâcher le follow, les gars. Grâce à LGW. D'accord. Merci Zarok pour le follow. Voilà le follow. Voilà Zarok, dealer. Dealer ce que c'est qu'un follow. Ah merde, mon portable il a 20% de batterie. Dealer ce que c'est Zarok qu'un follow. Montre-le. Ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Pas de rien, monsieur le futur apprenti. T'es qui Zarok en RP? Me dis pas que c'est toi le doc qui m'a formé. Putain, du coup, tout le monde a entendu la mode gueuler. Ah, c'est toi, Gérald! Ah, ok! Ouais, moi, quand je parle de la mode, c'est pas que j'ai pas d'enfant ou quoi que ce soit. C'est juste que, bon, là, mon frère, il est pas chez moi. Il rentre samedi. Mais vu que je stream et que la chambre de mon frère est juste à côté de la mienne, bah, n'importe quel moment, en fait, mon frère, il peut rentrer dans la chambre et me dire me casser les couilles, en fait. Et comme j'ai plus de table de mixage, je peux pas mute instant le son, bah, je t'avouerai que c'est un petit peu le bordel. Parce qu'avant, j'avais une table de mixage, mais ma table de mixage, elle a grillé. Donc, du coup, bah, pour l'instant, je peux pas. Je peux pas avoir de table de mixage, quoi. Pour l'instant, ma priorité, c'est changer de voiture. Et du coup, ce que je disais, c'est que la semaine, le soir, je peux pas jouer parce que, bah, vu que je taffe le lendemain, à 21h, je suis déco, quoi. Et jusqu'à 22h30, je reste sur le PC, mais je fais des trucs chill, quoi. Ah, moi, c'est le bébé quand la maman est pas là qui pleure. Si je suis sur une scène, c'est chaud. Ouais, c'est sûr.
Après, c'est ça la vie de parent, j'ai envie de dire. Oh putain. Oh putain. Alors toi mon. Alors toi mon lapin. Je l'ai eu ? Là je l'ai eu. Oui, je comprends forcément, fin de mon congé paternité, reprise du boulot demain. Ah, ok, tu peux te mettre en push-to-talk sur TeamSpeak. Oui, je sais. Non, mais je suis déjà en push-to-talk. Mais c'est que... En fait, si tu veux... De base, mon micro pour le stream, je coupe mon micro. Quand il y a du monde qui vient me parler ou quoi que ce soit. Donc je suis obligé de faire des retours Windows. Et là, ça va que j'ai les platines, donc je peux... Là, par exemple, j'ai juste appuyé sur un bouton, tu vois, hop, vous avez plus le son, tu vois. Eh merde, attends, hop là. Oui, je suis en push to talk, mais en pleine scène, ça me gêne pour les autres, car soit je parle plus du tout, soit ils entendent le bébé hurler et ça fait chier le monde. Ouais, c'est... J'ai envie de dire, c'est comme ça, hein. Eh, par contre, tout à l'heure, j'ai voulu faire le gros rat. Le grizzly, la vérité, je voulais pas lui filer. J'ai dit, vas-y, en vrai, c'est bâtard, tu vois, parce que le mec, il est là, en train de chasser et tout. Et limite, je lui vole son stuff. Enfin, son stuff. Limite, je lui vole ce qu'il a chassé, tu vois. C'est pas fair play, donc je... Pour ça, quand il m'a dit, ouais, non, vous pouvez le garder, je fais, bah non, je vais vous le redonner, c'est un minimum, tu vois. Après, les gars, je vais aller faire un peu de dev sur GTA. Parce que oui, je suis aussi un petit peu de... Je suis aussi du développement sur GTA. Putain. Oh, vas-y, j'ai envie de le niquer. Vas-y, j'ai envie de te niquer, toi. Il prend pas ? Mais wesh ! Ah, ça y est, il va agoniser. Aïe. Pourquoi il fait ça, mon cheval, là ? Vous savez comment je les finis, moi, les animaux ? Regardez, hop, j'attends doucement. Je le laisse agoniser. Allez, agonise. Voilà. On va le mettre en bas. Ah bah oui, j'ai pas équipé mon couteau. Normal que je peux pas le dépasser. Je sais pas par contre si on peut récupérer comment dire on peut récupérer l'animal et le revendre à la boucherie. Un peu comme sur le online, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en vrai j'ai quoi comme truc? En vrai je suis pratiquement. Ça en va encore. On va aller à Valentine. Bon, comment ça va les gars sinon? Qu'est-ce que ça raconte de beau? Ah ouais, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde à regarder Red Dead. Bon, après Red Dead RP, ça va encore. Demain soir, il y aura peut-être du stream GTA. Je dis bien, peut-être. Pas encore sûr. Non, je crois que c'était une bête. Pas encore sûr, tout dépend de ce que je vais avoir à faire en RP. Et si j'ai des scènes ou pas. Sinon, ce sera peut-être du Red Dead en vrai. Parce que de base, je fais du RP, du GTA RP en live. Mais si demain c'est calme, demain soir, je pense que je vais stream. Je
pense que je stream Red Dead. Pour savoir, vous faites point d'exclamation Discord, en général je mets tout sur Discord. Tu préfères GTA ou... J'ai pas de préférence. J'aime bien les deux. Bah après... En termes de communauté, je parle bien en termes de communauté, hein, je parle pas en termes de RP en général. En termes de communauté, je préfère Red Dead. La communauté Red Dead est beaucoup plus mature que GTA. Sur Red Dead, moi de ce que j'ai remarqué sur Red Dead, y a pas énormément de... Y a pas la Win RP, des trucs comme ça, tu vois. Y a pas tellement de... Y a pas réellement tout ça, tu vois. Je crois qu'il fonctionne pas ici, hein. Le boucher ici. Je crois qu'il fonctionne pas. Donc, y a pas tout ça. Que sur GTA, bah, t'en as qui viennent ouin-ouin parce que t'as du WinRP, parce que t'en as qui jouent pas la loose. Ou encore, par exemple, quand tu fais un tout petit accident de merde avec ta voiture, bah les mecs, ils vont pas jouer à fond leur pain, en fait. Bon, après, c'est dommage, hein, j'ai envie de te dire, mais bon, c'est... Voilà. Oh, c'est 25$ la brosse à cheval. S'il fonctionne, c'est un boucher, pas un trappeur. Ah, mais là, ce que j'ai sur moi, je peux pas le vendre, si ? Putain, 5$ la canne à pêche. C'est un hold up. Non, c'est pas ça. Clique pour accéder à son compte. Alors, dépose... Est-ce que je peux déposer ça ou pas? Ou c'est déjà en banque? Ah oui. Ok. Non, quand tu dépasses un animal, faut aller au trappeur. Ouais, donc Astro... comment ça s'appelle? Astroberry. Enfin là par exemple, pour l'exemple c'est Strawberry, hein, que j'ai pris, mais ça peut être... ça pouvait être n'importe. Hein. Hachette de chasseur, marteau, couteau de chasse... Putain, 12$ l'arc. Waouh. 12$. Munition de 22, c'est quoi? C'est les carabines, ça? Ah. Wistro, par exemple. Ok, ok. Ok, ok. Bon, on va aller... boire un coup à la fontaine, manger un coup, et après, ça va aller sur GTA. Je croyais que j'avais pas mis à jour la commande. Bon, bah voilà. Merde. Hop. Allez, 5.
Ouais, je fais toujours la commande 5, moi. Me demandez pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. Voilà. Allez. Alors, tac. Et tac. Bon. Alors. Je vais aller me foutre dans mon chan. Hop. Voilà. Est-ce que ça a bien été changé? Et waouh. Magnifique. Attendez, par contre, moi, par contre, sur mon truc. Pourquoi mon widget. Revert to previous version. Ouais, je veux bien, ouais, pour le coup. Voilà. J'aime bien voir mon truc. Ok. Alors. On va faire un peu de dev. Hop, je vais fermer TeamSpeak. Tac. On va prendre la feuille de route. Alors, affaire. Il y a pas mal de choses à faire en vrai. Il y a pas mal de choses à offrir. Ok. En vrai de vrai. Je vais taffer quelques trucs. Tac. Hop. Alors, dev, le système. Et on va faire ça. On va faire le système des logs. Hop. Faut juste que je remette 5M sur ma fenêtre. Hop. Alors, attendez, hop, tac. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Tac. On va grandir un peu. Comme dirait Kabou quand vous arrivez. Voilà. En vrai, ma fenêtre, elle est trop. Hop, voilà. Tac. Allez! Bonsoir. Bon. Allez, on va commencer à taffer le système des logs. Magique. Ah mais c'est. Ah c'est Kabou, hein. Faut pas chercher.
Alors, ambulance, bah... Est-ce que j'ai mis le mapping? Je crois que j'ai pas mis le mapping, en vrai. Je crois que j'ai pas remis le mapping, donc... à mon avis, les scripts MS, je vais donner ça plus tard. Et si j'ai pas mis le mapping, bah je... Voilà. C'est maîtrisé, regardez. Elle est pas abîmée. Elle est pas abîmée la voiture. Bah non, non, non. Regardez, elle est pas abîmée la voiture. Vous avez rien vu, ok. Vous avez rien vu, la voiture elle était pas abîmée. Vous avez rien vu. Je crois que j'ai pas sorti le mapping en vrai. Ah si, j'ai sorti le mapping. Ok. Ce heal, hop, voilà. Alors... En plus, il faut que je taffe le job. Parce que je crois que j'ai pas mis les points en place. La partie de plaisir. Bah, je crois que oui, j'avais pas mis en place. Attendez, j'ai vu que j'avais un truc essentiel. Ouais, au pire, ça, je vais plus tard là, c'est ça. Alors, menu, boss. Ah, c'est les escaliers ici. On a quoi ici? Non, bah si. Ok, donc ça, c'est l'accueil. Alors, même moi, les gars, je connais même pas ce mapping, hein, pour vous dire. Vétéria, pharmacie. Est-ce que, attends, j'ai la pharmacie ou pas? J'ai la pharmacie. C'est ton serve. Alors en fait, je suis en train de. C'est le serve d'un pote que je suis en train de dev. Donc c'est pas réellement mon serve, mais on va dire que je suis co-fondeur. Mais en lui-même, c'est pas mon propre serve. C'est moi qui le dev, donc. Enfin, je peux dire c'est mon propre serve parce que c'est moi qui le dev. Donc la base du serveur, oui, ça c'est mon propre serveur. Enfin, là, je parle de la base. Mais autrement, mon propre serveur en tant que fondateur, non, je suis juste co-fondateur. Hop. Là, vous voyez pas, mais en fait, je modifie des coordonnées. Là, je modifie des coordonnées. Faut que je change aussi les notifs. Alors on va faire ça tout de suite. On va faire ça tout de suite pour les notifs. Ça, au moins, c'est pas une chose. Alors du coup, hop. Comme ça, ce sera une chose de faite. Alors, export cas 5, on va mettre ça. Alors, tac. Est-ce que j'ai une notification pour les EMS? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Ou je vais en faire une nouvelle. Tac, tac. SAMS, on va chercher le logo. Alors, logo EMS. Et ben,
Mais ça. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est très bien, ça. A7, donc l'attaque. Alors, on a dit SAMS. Ok. Bon, je crois que... Pas besoin de modifier le FX, mais... Bon. Ok, donc ça, ok. Ça, A7. Ça. Ça, MS. Ça. Tac, tac. Alors, notification. Donc, on a dit... On a dit. Pour l'instant, c'est les items que... Pharmacie give item, donc là. Hop. Merde. Alors du coup, tac. Ah, non. On va essayer comme ça. Et donc là comme ça. Là comme ça, ça ne... parce qu'il faut que je le mette avant. Ah oui. Tac. Hop, SAMS. Action. Tac, tac, hop. Merde, c'est quoi le nom du coup? K5. Salut Blue. Ah. Merde. Qu'est-ce que j'ai branlé? Tu as reçu... Ah mais oui, mais non. C'est pas ça qu'il faut que je mette. Reçu, hop. C'est pas ça ? Ça va et toi, Blue ? Merde. Tu vas pas. Qu'est-ce qui va pas? Merde. Tu as reçu... Hop. Ah. Tu as reçu des mini-kits et tu as reçu des bandages. Ok. Okay.
T'en penses quoi, Blue? Regarde, bam. Mal, hein? C'est pas mal, hein? Ok. Ensuite, donc ça c'est bon. Ça. Ça. Ah non, donc. Ça. Maximum. M. Ok. Ça c'est bon. Ok. Ça c'est bon pour ça. F6. Attraction site. De toute façon, après tous les trucs aussi que show notification. Le bordel que ça va être! C'est un bordel chaud. Demain, je vais voir pour faire les tests que t'as mis, mais tu peux même pas le faire ce soir, Blue, si tu veux. Je suis comme tu veux, hein. Tu sais, ma tisotte, c'est comme... Hey, ma tisotte, c'est comme tu veux, hein. Vas-y, en vrai, je suis déter, là. Allez. On passe ce soir, enfin, je sais pas. Bah, t'es viré. T'es viré, qu'est-ce que vous choisissez? T'es viré, c'est tout! Information, on va mettre ça. On va faire ça. Vous avez utilisé l'argent. Pas utiliser un bandage. Ah mais oui putain, mais oui, pour utiliser le bandage faut qu'il y ait un mec. Faut qu'il y ait un gars avec moi. Ah oui. Là ça c'est bon. Ensuite. Ok. En vrai, je vais même pas m'emmerder pour faire ça. Il y a une couille. Voilà.
Je virerai tout ça. Je vais virer tout ça, comme ça au moins c'est fait. C'est ce qui est le plus chiant à faire, les notifs. Hein. Genre vraiment. Vous en avez pas assez sur vous. Oh mon merdier en vrai, je vais faire un truc Hop, on va faire comme ça. J'ai pas envie de m'emmerder. Hop, ça c'est bon, ça c'est bon. Hop. Vous avez retiré. Vous avez pas assez d'argent dans le coffre de l'entreprise. Putain, bah décidément. Vous avez déposé. Avec, Merde. Tac, ok, donc ça c'est bon. Alors, du coup, tac, 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 hop, prendre son service. Ah, je crois que j'ai merdé sur un truc. Je crois que j'ai merdé sur un truc. Sur quoi j'ai merdé? Ah, attends. Sur quoi j'ai merdé? Bon, on va essayer de faire comme ça. Alors, du coup... Tac. On va essayer. Pourquoi ça marche pas? Mais what the fuck?
Je me fais un bot en Python MD1. Lol. Attends, moi je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi le truc il marche pas. Pourquoi le message d'annonce il marche pas? C'est quoi ce merdier? C'est quoi ce merdier là? Ah bah c'est ma chaise, elle est descendue toute seule. C'est quoi ce merdier là? Qu'est-ce qui me branle? Qu'est-ce qui me branle le script là? On s'est censé fonctionner là. Bon. C'est chelou. C'est chelou, les messages ils se mettent pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas se mettre. Chelou le script, j'ai l'impression que le script il veut rien reconnaître. J'ai l'impression que le script il veut rien savoir sur les annonces. Bon, ici je remets comme base. Alors là ça fonctionne et... What the fuck, pourquoi il veut pas? J'enlève ça.
chelou ça. Ah, attendez. Ok, je crois que j'ai un coup. Bah oui. J'ai une erreur à une 389. Putain, je suis vraiment con. Ouais, depuis tout à l'heure, je suis en train de faire un truc qui... Ouais, d'accord. Une 10. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà. Message personnalisé. Message personnalisé. Blue, je te laisse le message perso ou pas ? Je sais pas si t'es encore là. C'est-à-dire, bah en fait, quand tu fais une annonce, tu sais, ça te fait. Par exemple, tu fais une annonce, tu sais, ça fait des trucs comme ça, tu vois. Par exemple, si admettons tu dois aller dans le nord, les EMS sont actuellement dans le nord. Par exemple. Oui, mais je sais pas si tu peux mettre en anti-spam. Si, regarde, en fait, tu peux. Annonce ambulance, tu vois. Regarde, hop, là, tu mets ton message. Et tu vois, t'as un cooldown. Donc, tu peux pas republier de message derrière. En fait, pour chaque truc, t'as des cooldowns, tu vois. Tu veux que je le remets ? Moi, je le remets, moi, je m'en fous. Hein. Nice, oui, il est celle-là. Vas-y, je vais le remettre. En vrai, je termine de taffer le job EMS et puis je pense que je vais cut. Alors, du coup. Alors, information. On va mettre ça directement. MS. Maintenant, est-ce que ça va marcher ? Sors, tu veux voir quand j'ai fini de manger ? Bah, je peux voir là, hein, je suis déjà en voc, hein, si tu veux. Merde. Je suis déjà en voc là. Ça, c'est bon. C'est bon, ça fonctionne.
ma poule. On s'en va, on s'en va ou quoi? Ouais, toi? On s'en va, moi. Oh, moi, je suis explosé, mais ça va. Ça ira mieux demain soir. Putain, ils font chier, Discord, celui-là. Les bannes, mon écran me dit que j'ai pas commission. Bon bah voilà, les notifs elles fonctionnent. Ça c'est bon. Bon. Je crois que ça fonctionne. Ah, ça fait déjà 2h30 que je suis en live. Maman. Bon. J'ai mis la pharmacie donc ça c'est bon. Putain, ça fonctionne nickel. T'avais le mapping que t'as pour l'hôpital. Ah bah oui, mais c'est plus toi qui fais l'hôpital, qui gère l'hôpital. Bon, tant mieux. J'étais déjà pas motivé à faire l'hôpital. Mais t'as vu le mapping qu'on a, il est beau le mapping. Eh, sur les escaliers. Celui-là... Ah oui, je le connais celui-là. Oui, bah oui. Bon, là, ici, on a quoi? Réception numéro 1. Bon, faut que j'aille au troisième. Okay, j'ai compris. Depuis hier, je suis en train de regarder pour faire la commande unban, donc le slash unban pour mon Discord. Je te jure, depuis que... En fait, vu que Discord ont changé et que c'est plus des hashtags, c'est une galère. Et là, je viens d'enfin de réussir. Sauf qu'il me dit que j'ai pas les fermes, mais... Il s'en fout. Ah bah, je vais le mettre là, le bureau. Unban, Alors, Discord. Donc là, ici, on va mettre le bureau du boss. Unban. Bah écoute, on va juste mettre ça. Hein. Bon, moi je pense que je vais cut là en vrai pour de vrai. Ouais. Qui c'est que je peux raid? En vrai, je suis étonné que j'ai eu du monde sur du Red Dead. Je suis grave étonné. Ouais, merci pour la... En tout cas, merci pour la force. Ça fait plaisir. Bon, y'a qui est en live? Putain, je peux. Personne que je peux raid qui est en live là? Ok, nickel. Tu peux. Est-ce qu'il a rejoint? Yes. C'est Je vais poil dans le seed raid. Hein. Je vais quitter comme ça, en direct. Moi les amis, je vous laisse, je vais cut ici. Je continue de dev hors stream. Jusqu'à 20h, ça va être peinard. Ah, je vous dis... Bon, à mon avis, je pense que je vais stream demain soir, en vrai, c'est même sûr. À quelle heure, je ne sais pas. De toute façon, vous serez informé sur Discord si je stream, à quelle heure je stream. Demain, retour de Lewis. Je stream un peu avec Lewis. Et puis si j'ai pas grand chose à faire en RP, j'irai sur Red Dead. Comme d'hab. Je vous dis d'abazo. Paul, elle veut bien. Et puis, bah, à demain. Blue. Un mot oui. De la fin. Un mot de la fin. Un mot, hein, genre vraiment un mot de la fin, ce que tu veux.